Brouille-toi! Putain, grouille-toi, merde! 2 heures pour sortir les poubelles, c'est normal, tu te fous de ma gueule! Y'a 15 personnes qui attendent! Tu trouves qu'on a assez de clients, dis? Qu'est-ce que tu fous, là? Commence pas par ça! Finis ce plat, je vais servir! Et n'oublie pas la viande sur le feu! Grouille-toi, grouille-toi, grouille-toi! Qu'est-ce que tu fais, là? Commence! Qu'est-ce que tu... va servir, tu m'énerves! Tu te dépêches, s'il te plaît, bordel! C'est bon, y'a personne. Ouais, c'est bon, y'a personne. Mais le steak, t'as pas fait cuire le steak! Oh putain, quel con, alors! Et travaille au lieu de regarder tes conneries, là! J'en ai marre de cette ville. Je deviens dingue. Mais comment ça, tu deviens dingue? Enfin, non, tu dis n'importe quoi. Enfin, tu veux faire quoi? Tu veux aller où? On est bien là, non? Tu
toi, ouais. Quoi? Non, rien. Mais j'ai que toi, moi. Tu sais, j'ai que toi. Je t'ai vu hier soir avec ta copine. Ah ouais? Ça se passe bien? Ça se passe. Bah, il y a un moment que vous êtes ensemble, non? Vous vivez bien ensemble, non? J'ai pas envie d'en parler, merci. Ça va? Oh, t'arrêtes ça, je te pose juste les questions, bah, c'est tout. Posez-en pas. Je vous en pose, moi, des questions sur votre femme? Pardon? Est-ce que je vous pose des questions sur votre femme? Elle est où, d'ailleurs? Il y en a pas, c'est ça? Elle s'est barrée parce que c'est trop minable ici! Attire tout de suite, t'as compris? T'es qui, toi? Tu te prends pour qui? Un de ces petits merdeux qui croient avoir tout compris, qui croient tout savoir? Tu veux me faire la morale, c'est ça? Allez, vas-y, va, fais-moi la morale. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais, toi? Tu sais rien. Elle est bien, ta petite vie? Tu passes à côté de quoi? À côté de moi, des autres, de toi? Elle est bien la jeunesse, ouais. T'as raison, n'écoute rien. Pourquoi se faire chier finalement? Dans le tiroir en bas à gauche, il y a une trousse à pharmacie. Ça, tu peux me servir un verre de whisky, s'il te plaît? De charger, toi. Ça arrivait comment, du coup? Bah, j'en sais rien. Je sais même pas par où ils arrivaient, ni pourquoi ils ont fait ça. Tiens, regarde. Avant, on l'aurait piqué. Aujourd'hui, on fait ça gratuitement, pour le plaisir. Putain d'époque. Elle est bien triste, ton époque, tu sais. Quoique, c'est peut-être pas l'époque, c'est peut-être bien la vie qui est triste. Tu vois, quand j'avais 19 ans, j'étais comme toi, dans une ville de merde. J'ai bossé comme un con pendant un an. Je me suis fait un petit pécule pour pouvoir me barrer avec ma petite copine de l'époque. Tu vois, je crois que c'est ça. Faut pas rester, faut se tirer, faut pas stagner. J'ai bien essayé de me battre, m'accrocher. Mais c'était trop dur. J'y croyais plus. Je comprends pas. J'ai vraiment tout fait dans ma vie pour faire les choses bien. Voilà le résultat. C'est pour ça. Faut pas te laisser faire, faut se battre, faut se tirer, faut pas rester là où il n'y a pas d'avenir.
Toi, si j'avais un conseil à te donner, ça serait ça. Et tire-toi d'ici. Barre-toi. Ici, on devient dingue. Tu vois bien? Tu te suicides à petit feu. De toute façon, je serai pas là demain non plus. Non, je serai pas là. C'est tout.